Napoléon Bonaparte, la nation incarnée. C'est une nouvelle biographie de Napoléon. Alors pourquoi oser faire une nouvelle biographie de Napoléon alors qu'existe l'œuvre de Jean Tullard, celle de Jacques-Olivier Boudon, alors que Patrice Guénifet vient de publier un Bonaparte qui commence le renouvellement de l'œuvre de Louis Madelin? Pourquoi surtout, moi, Nathalie Petitot, oser faire une biographie de Napoléon alors que toute mon œuvre d'historienne depuis ma thèse soutenue en 1995 a consisté à dire qu'il fallait cesser de faire l'histoire de l'empereur que l'on connaissait pour faire l'histoire de l'Empire, l'histoire des Français sous l'Empire, l'histoire du rapport des Français, du rapport des Européens à l'Empire, de façon à renouveler la connaissance de la période. Eh bien, justement, je crois que parce que le renouvellement de la connaissance de la période a été fait, nous pouvons revenir à ce sujet, qui reste un sujet bien évidemment important et fascinant, pour livrer ou tenter de livrer une biographie de l'intérieur en quelque sorte, essayer de comprendre Napoléon de l'intérieur, essayer de mieux comprendre tout simplement l'homme qu'il était. D'où ce titre de Napoléon Bonaparte, pas seulement le Bonaparte insultant des Anglais, pas seulement le Napoléon qui est évident pour tout le monde, mais qui réduit finalement cet homme à l'empereur qu'il a été. Revenir donc à l'homme Napoléon Bonaparte en utilisant toutes les sources dont nous disposons, ses écrits de jeunesse bien évidemment, qui nous sont bien connus et qu'Antoine Casanova a fort bien analysé déjà, les écrits de Sainte-Hélène, bien sûr, et les dictées de Sainte-Hélène, qui nous montrent Napoléon jetant un regard sur sa propre existence, mais c'est une lecture a posteriori. Et alors, entre les deux, on a l'impression que Napoléon n'écrit pas, en tout cas, il n'écrit pas à ses amis, il n'écrit pas pour la postérité, c'est vrai, mais il réalise une très abondante correspondance journalière que la Fondation Napoléon, actuellement, sous l'égide de Thierry Lenz, publie, enrichie de nombreux documents qui n'avaient pas été publiés lors de la première version par le Second Empire. Et en relisant toutes ces sources très attentivement, en prêtant l'attention au moindre mot, à la moindre tournure de phrase, même dans certains cas, eh bien, on arrive à mieux comprendre l'homme de l'intérieur. On comprend à quel point il s'enferme dans ses certitudes. Très vite, au moment de la première campagne d'Italie, il a le sentiment que son destin doit rencontrer celui de la France. Très vite, il acquiert la certitude que lui seul sait ce qui est bon pour la France. Et quand il prend le pouvoir en novembre 1799, il en a déjà une conviction très ancrée en lui. Et au fur et à mesure qu'il s'installe au pouvoir, qu'il travaille énormément, bien sûr, pour recomposer la France, qu'il travaille en s'aidant de collaborateurs extrêmement dévoués et extrêmement compétents, c'est une des grandes forces de l'Empire, eh bien, il a de plus en plus cette certitude que lui seul peut sauver la France. Il avance donc, non pas en ayant le goût du pouvoir pour le pouvoir, mais en voulant faire ce qu'il estime devoir faire, toujours pour la grandeur de la France, pour l'illustration de la France. Mais justement, il s'enferme dans ses certitudes. Et finalement, eh bien, sans voir que sa fureur de l'illustration l'a conduit trop loin.